Il ne nous regarde pas, pas vraiment, trop absorbé. Il nous remarque, parfois, pour de vrai. De son regard qui sait si bien lire, de son regard qui ne sait pas bien dire, parce qu'il ne sait pas très bien lire en lui. Il est trop occupé à comprendre, à apprendre, à raisonner, comme si l'on pouvait lire le monde, comme si l'on pouvait résoudre les mots du monde avec des mots. De son monde de mots, pourtant, il s'adresse sans cesse à nous. Et je sais que c'est là sa générosité, ces mots qu'il m'a confiés, car il sait que c'est un lieu où l'on peut se rencontrer. Et je les ai gardés précieusement, tes mots, papa, pour pouvoir les redonner. D'ailleurs, en voici que j'ai choisi de mettre ici. Pour toi, pour moi, pour vous, pour nous.